Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors avant de vous les présenter tous les emplacements, je tiens à vous informer de quelques petites informations. Parce qu'en fait toute cette rangée ici, donc toute la rangée que vous voyez ici, des personnages, en fait c'est des personnages qui apparaissent aléatoirement dans les parties. Donc il faudra que vous lanciez plusieurs parties pour pouvoir les trouver. Et ce personnage-là peut voyager aussi. Donc le personnage 11, qui est l'onirisme, peut se trouver ici et ici. En fait, elle peut voyager de la bomboche au camp des 7 qui se trouve juste ici. Donc voilà, il faudra peut-être faire tout le chemin pour voir si vous la trouvez ou vous la rencontrez. Ok ? Alors pour les autres personnages, donc le personnage 15, 16, 17 et 18... Donc c'est tout des variantes de Genesy. Pour ces quatre personnages, vous allez les trouver à Burg Genesy. Donc il faudra lancer plusieurs parties pour les trouver parce qu'ils se trouvent à plusieurs emplacements à Burg Genesy. Et il n'y en a que un qui apparaît par game. Alors ensuite, pour les trois personnages ici, donc Expert des Câlins du Métal, Câlin Poule et Carnardeuse, donc le personnage 19, 20 et 21, ces trois personnages-là, vous allez pouvoir les trouver juste ici dans cette petite maison. Ils apparaissent aléatoirement comme les Genesy à Burg Genesy. Donc il faudra lancer plusieurs games pour les trouver parce qu'il n'y en a qu'un qui apparaît à chaque fois. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Maintenant, je vous laisse le gameplay avec tous les emplacements des personnages. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao, peace!
bruh.